Et je vais céder la parole à Madame la députée de Joliette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'interpellation d'aujourd'hui qui porte le titre du mirage du gouvernement de la CAQ en matière de services éducatifs à la petite enfance porte effectivement très bien son nom. Parce que depuis trois ans, ce qu'on a, c'est un beau mirage de communication, d'opération de communication après opération de communication, mais en parallèle des actions qui se font constamment attendre et des résultats qui se font constamment attendre. Et franchement, ça a culminé ces belles opérations de communication le 21 octobre dernier, là, le jour du dépôt du plan et du projet de loi du ministre, avec un premier ministre et un ministre qui nous disaient à quel point ils étaient découragés, que les choses n'avancent pas, à quel point il fallait que les choses se fassent rapidement, avec le premier ministre qui nous parlait que lui, il voulait des projets, et je reprends ces mots, au plus sacrant pour maximiser l'effet de communication. Et là, c'était comme si les gens qui étaient devant nous n'étaient pas les gens qui étaient au gouvernement précisément depuis trois ans, et qui avait entre les mains tout le pouvoir de faire les choses pour que les projets se développent et que les choses avancent et que les dizaines de milliers de parents de familles du Québec qui n'ont pas de place et qui ont été laissés en plan auraient pu avoir des réponses. Et j'entendais le collègue de Dubuc, et dans sa région même et dans son comté, dans sa circonscription, en 2019 et en 2020, il ne pouvait même pas y avoir de dépôt de projets pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2020 et pour sa circonscription en 2019, parce que, bien que c'était en rouge, le gouvernement n'a même pas ouvert les possibilités. Donc, quand j'entends dire que c'est donc formidable tout ce qui s'est fait, je pense qu'il faut comparer vraiment avec la réalité et les résultats. Et on est là pour voir qu'avec ces 51 000 familles qui attendent toujours une place, oui, on était plus dans le mirage que dans l'action. L'autre chose, c'est quoi donc la réponse du ministre à tous ces parents-là? Là, il nous dépose un plan pour l'avenir. Là, soudainement, tout va se faire. Évidemment, on va revenir à la question centrale des éducatrices et de la pénurie d'éducatrices. Mais c'est quoi sa réponse à tous ces parents-là qui attendaient des actions quand le gouvernement n'en avait que pour les maternelles 4 ans, comme si les 0-4 ans, ça n'existait pas? Puis que des parents qui avaient des enfants de 0-4 ans puis qui étaient sur une liste d'attente, ça n'existait pas. Donc, c'est une question à laquelle on aimerait avoir des réponses, et on aimerait aussi avoir des réponses à tous ceux qui s'inquiètent de la baisse de qualité qui se dessine dans le réseau, au-delà de la réduction des ratios d'éducatrices qualifiées, parce qu'il n'y a pas eu d'action à cet égard-là non plus depuis trois ans. Là, avec le fait que la règle du 85 % de projets en CPE n'apparaît plus nulle part et ne tient plus. Une autre question importante. Mais évidemment, la question centrale, c'est aussi toute la question du rattrapage salarial massif qui doit être offert aux éducatrices et aux intervenantes et aux travailleuses de la petite enfance et qui n'est pas au rendez-vous. Alors, c'est assez incroyable ce qu'on vit en ce moment parce que le gouvernement lui-même, de son propre aveu, a dit qu'il manquait 17 800 éducatrices au bas mot, et on aimerait ça qu'il nous confirme le détail de ces chiffres-là. Et pendant ce temps-là, il y a une négociation, il y a une occasion de changer les choses pour que la rémunération soit enfin à la hauteur de l'importance et de la complexité du travail des éducatrices, mais aussi parce qu'il y a une désertion massive de la profession, qu'il y a un manque d'inscription dans la technique, qu'il y a une pénurie sans précédent, et parce que ce qui se joue dans le cadre de la négociation, c'est pas juste la réalité des travailleuses de la petite enfance, c'est tout l'avenir du réseau des services de garde, la cause qu'elle porte. Ces femmes-là, en ce moment, elles l'apportent au nom de nous tous, la société québécoise, qui voulons voir ce joyau-là préservé et qui voulons voir que les femmes peuvent continuer à être sur le marché du travail, que la conciliation famille-travail demeure une priorité et que le développement régional et économique du Québec ne souffrira pas de cette pénurie-là et de ce manque de rémunération-là. Et quand on voit la déconnexion qui découle de l'offre qui est sur la table, quand on nous parle d'un chiffre de 20 % qui toucherait une infime proportion parce qu'elle exige 40 heures et elle envoie un message en plus extrêmement insultant que les éducatrices, les travailleuses ne travaillent pas assez fort et qu'elles devraient donc faire le 40 heures quand la majorité des fonctionnaires de l'État ne font pas 40 heures, bien évidemment, et qui ne sont pas avec des enfants.
enfants au quotidien. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais entendre le ministre s'engager que ces discours-là de dénigrement vont cesser et qu'il s'engage à un rattrapage. Et Madame la députée,